Eh bien salut à toutes et à tous, il est 16h, j'espère que vous allez tous très bien. Pour ma part ça va nickel comme d'habitude. On se retrouve aujourd'hui pour le 5e épisode de notre aventure sur Metro 2033 Redux. Pour vous rappeler ce qu'il en est, où nous en sommes. Eh bien à la base, le début de l'aventure, le but du jeu un petit peu, c'est de retrouver un Rangers puisque on l'aime beaucoup. Voilà, on lui a promis de... je ne sais plus exactement, mais on doit le retrouver, en tout cas faire passer un message. Donc on doit sortir des métros sans l'autorisation de notre père. Bref, un délire. On a rencontré quelqu'un du coup dans les tunnels qui s'appelait Bourbon, qui nous a finalement aidé un petit peu à sortir du métro. Malheureusement il est mort. Bon, c'est un petit peu mérité, une mort méritée, mais il est mort. Et on a rencontré un autre gars très sympathique visiblement, un petit peu un mec un peu zen. Je sais plus l'origine du gars, mais bref, on en est là et on va le suivre. Donc on est parti, n'oubliez pas le pouce bleu et merci pour vos retours sur les derniers épisodes. C'est parti. L'apparition de Khan m'avait pris par surprise. Pourtant, en combattant les bandits, j'avais senti que quelqu'un m'aidait depuis l'obscurité. Khan m'avait assuré que le destin de Bourbon n'était pas lié au mien. Mais je regrettais sa mort. Voilà, donc c'est Khan. Il s'appelle Khan. Fais attention, ici c'est un tunnel dangereux. Le voici, Khan. Donc on est parti, on va le suivre les amis, directement. Garde bien ta lumière allumée, mon ami. Ou on risque de rester coincé ici. Et un truc que vous m'aviez dit, c'est vrai que je gâche beaucoup mes balles. Il faut continuer, ne touche pas. On ne sait jamais ce dont ces choses sont capables. Alors là les gars, non mais... Ok, vraiment je suis mort. Voilà, c'est-à-dire qu'il s'est rien passé, j'ai touché les silhouettes, je suis mort. Fais attention, ici c'est bon. Un tunnel dangereux. Bref. Même dans le dernier épisode, il m'est pas arrivé ça quand on était là. Parce que je rappelle qu'on était buggé hein, à la fin du dernier épisode. J'espère que cette fois-ci ça se passera mieux. On risque de rester coincé ici pour toujours. Oui, je te suis, Khan. Arrête-toi et regarde devant. On ne sait jamais ce dont ces choses sont capables. Oh, maintenant je sais. Il t'attaque. Alors qu'est-ce qu'on fait? J'ai pas envie de refaire bugger le jeu. Et ben voilà. Il faut continuer. Ne touche pas les silhouettes. Concentre-toi. Ok. En fait, j'étais trop rapide dans le dernier épisode, je crois. Ouais, c'est bon. Maman, t'es où? En tout cas, on a des belles hallucinations. Enfin, c'est peut-être pas forcément des hallucinations. Ouais. Bon, Khan, on fait quoi là? Canaille go? Ok, bah j'y vais. Non, je peux pas. Est-ce que j'ai quelque chose dans mon inventaire à faire? Non. Eh bah alors, monsieur Khan. Tu veux faire de la pêche? Canne à pêche? Non, mais on fait comment là? Je comprends pas. Il me dit rien. Il me regarde comme un imbécile, c'est comme dans, dans le dernier épisode, il se passe rien. J'ai dû encore rater quelque chose, mais je pense pas. Très sincèrement, je pense pas. On peut même pas sortir. J'essaye d'avancer les gars, ok? Je suis bloqué. Eh ben c'est super! Non mais attendez, en plus le let's play m'intéressait, donc j'ai pas envie que tu bugs tout le temps. Frérot! Attendez, on va essayer un truc, mais bon, les balles, c'est important, mais... Ouais, non, je vais pas tirer, c'est débile. On n'a pas de cocktail Molotov, un truc comme ça. Bah non. Ah, ça, c'est pas une grenade incendiaire? Merde. Attendez, les gars. Comment on fait? Non, là, j'ai enlevé le masque. Bon, visiblement...
Visiblement, monsieur ne veut... ouais, bon, après, on est bien, mais bon, on peut peut-être s'asseoir. Attendez, c'est pas possible. C'est pas possible, je reviens en arrière. Faut pas toucher les silhouettes, ils ont dit, hein. Oh, mais ça m'emmerde, hein, plus profond des points. Et ben voilà. Il suffisait d'envoyer une grenade incendiaire que je n'avais pas trouvée. Par contre, là, je vais me faire mal, là, en fait. Ok. I follow you. Mais t'aurais pu me le dire, quand même, hein, parce que... Moi, je suis pas fuite-fuite, hein. Pousse-toi sur le côté, Artyom. Ah. Ah ouais. Un train fantôme. Ce tunnel est condamné à revivre son passé encore et encore. Et ceux qui ont la malchance de l'emprunter à ce moment-là le revivent aussi. Oui, bah comme nous, quoi. D'accord. Donc c'est un tunnel sans fin qui répète la même histoire avec des fantômes. En fait, c'est pas des hallucinations, du coup. À moins que ce soit des hallucinations collectives, me direz-vous. Allons-y. Oui, moi je te suis, Khan. Il est un peu long, Khan. Bon, après, il est très zen, hein. Bon, je suis content d'avoir pu passer maintenant le problème parce que... je sais plus c'était quelle touche pour les grenades incendiaires, mais voilà. Maintenant, on le sait, si jamais on est bloqué, on brûle tout. Bon. Arrête-toi et regarde devant. Oh merde. Une bataille a éclaté ici il y a longtemps. Les défenseurs tiennent encore leur station. Ah. Suis-moi et reste près de moi. Bon, on est passé sur un jeu d'horreur, hein, dès à présent. Ça me fait un petit peu peur, je vais pas vous mentir. Vas-y, je te suis. Castanelabio Asterium Manto. Castanelabio Asterium Manto. Alam Ram Ham. Alam Ram Ham. Castanelabio Asterium Manto. Castanelabio Asterium. Alam Ram Ham. Alam. Eh ben, c'est très rassurant. Je préférerais garder ça secret. C'est personnel, mon ami. Oui, t'inquiète pas, je veux même pas d'explication. J'étais avec eux lorsqu'ils sont morts. Je suis le seul survivant. Ah. C'est pour ça que t'as l'air zen dans cet endroit, malgré que c'est très flippant. Et qu'il se passe des choses pas normales. Qu'est-ce qui t'arrive ? Il s'avère que la dévastation que nous avons provoquée a été complète. Le paradis, l'enfer et le purgatoire ont aussi été atomisés. Donc... quand une âme quitte un corps, elle n'a nulle part où aller. Elle doit rester ici, dans le métro. Une forme d'expiation de nos péchés cruels, mais pas imméritée. Tu ne crois pas ? Très bien. C'est assez curieux, en effet. Donc les âmes restent dans le monde, quoi, finalement. C'est plus très post-apocalyptique, c'est surtout très fantastique. Hein ? Bon, tant que je suis avec Khan, je me sens sincèrement en sécurité, mais... Et puis c'est bien parce que... Ah ! Merde. Toi aussi t'as eu peur, Khan. T'es comme moi, en fait. T'as peur. Tu fais genre, mais t'as peur. On a beau avoir des armes, je me sens très nul, en fait, avec les armes. Je me sens pas plus fort. Bah pourquoi on va là-bas si on sait que le truc est là-bas ? Concentre-toi. Je suis très concentré, Khan. Je suis très concentré. Qu'est-ce qu'on fait, Khan ? J'y vais ? Mais Khan, fais quelque chose, gros, tu fais rien. Voilà. Il a rien fait, il s'est même pas défendu, gros.
trop chelou. Ce malheureux vient de la station maudite. J'ai plus de mun. Ah ouais, et j'ai plus de munitions là les gars par contre. Ah, parfait. Là il faut qu'on chope des munes, j'ai pas le choix, on est pas bien là. J'en ai quelques-unes. Je suis là gros. Je suis là, je suis avec toi Khan. Allons-y. Allons-y ouais. Allons-y, allons-y. On siche tous ça, on sait qu'on se fait empoisonner, on a vécu ça dans le... Ah bah attends. Alors je connais plus les touches donc j'ai bien l'air con. Voilà. J'arrive. Bonsoir. Concentre-toi. Je suis toujours aussi concentré. Hey, il le sent quand je commence à paniquer, hein. On va se faire écraser, c'est ça? Tu as un sixième sens, apparemment. C'est un talent rare, tu devrais l'utiliser. Ne bouge pas. Ouais, je sais que j'ai un sixième sens, mais alors tu vas me l'apprendre, c'est lequel? Ne bouge pas. Bouge pas. C'est moi Artyom. T'es qui toi? Bon je bouge pas hein. C'est bon il se barre. C'était quoi ce truc? On appelle ça une anomalie. Un phénomène nouveau dans un monde nouveau. Oui, oui, rien de... très anormal. Voilà. C'est quelque chose d'assez courant hein, dans le nouveau monde. Hein. Phénomène étrange, n'est-ce pas? Oui, bon. Mais tu sais, ce n'est pas plus traître que le feu, dirons-nous. Voilà. Tout pas de panique. Essaie de mieux comprendre les événements avant de te forger une opinion. Il faut partir, on est plus en sécurité ici. Une belle leçon de morale les gars, ne jamais juger trop vite. Hein. Finalement c'est quelque chose de... Voilà, y a rien de... Bref. J'aime pas les gars, j'aime pas. Fais attention. Oui, toujours. Je fais toujours attention. Moi je reste sous les jupons de Khan. Très bien. Y'a pas des munitions là? Ouais, c'était la dernière fois que je touche un. Oh merde. Ouais, je te laisse tirer, moi je tire plus moi. Sauf en cas de légitime défense. Allez, bute les gros. Et bah voilà. Toi, les monstres reviennent. Et bah voilà. J'ai même pas besoin de tirer. Allez Khan! Allez Khan! Adieu. Adieu. J'ai pas de mun! Khan! Khan! Khan, I survive? Khan, je t'aimais. Khan, bute-le. Moi je peux rien faire. Voilà. Ça a pas l'air fini. J'ai vraiment plus aucune munition quoi. Putain. Khan. Oh merci gros hein. Qu'est-ce que je ferais sans toi? Ne bouge pas. Pas besoin d'intervenir. Pas besoin d'intervenir? Ah ouais. Toi t'es dans le futur toi. What? Tu m'expliques?
Non ? Donc ça marche comme ça. Une démonstration en direct. Mais une démonstration de quoi, gros ? On comprend rien. Personne ne comprend rien. Ni moi, ni les viewers. Monsieur est très bizarre. Monsieur a des pouvoirs surnaturels. Monsieur me dit que j'ai un sixième sens. Il m'a toujours pas dit c'est lequel. Monsieur sait tout mieux que tout le monde, mais ne veut pas partager son savoir. Il m'emmerde, Khan. Monte dans la draisine. Le tunnel devrait être sûr. On devrait pouvoir passer facilement. Oui, je te crois. Alors je monte dans la draisine. Hop. Et voilà. Ouais, puis c'est assez confortable, hein, finalement, les sièges. Hein. Enfin, moi, je suis pas sur un siège. Allez. En avant toutes. Action. Artyom, tu as une mission noble à accomplir. Tu crois vraiment que Polis va t'aider? Ou bien, il n'y a simplement pas d'autre espoir? Tu n'es pas obligé de répondre. De toute façon, je te réponds pas depuis le début. Alors vous croyez qu'il connaît notre mission, à savoir On arrivera bientôt à la station maudite. Les monstres l'ont attaqué de manière ininterrompue et la plupart des gens l'ont abandonné. Les malheureux qui sont restés n'ont nulle part où aller. C'est bien dommage. On va aller leur rendre visite alors. Quoi de plus intelligent? Khan me conduisit à la station maudite. Elle portait bien son nom. Ses habitants livraient une guerre sans fin pour survivre. Alors vous remarquerez que ces écrans de chargement avec le texte sont de plus en plus courts, hein, vraiment. Donc, il n'y a rien de très rassurant. La station se fait encore attaquer. Oui, bah moi je peux pas aider. Hein. On y va, petit. Les défenseurs ont sûrement besoin d'aide. Je ne peux pas aider, moi. Attention, il y a des pièges. Hein. Ça, c'est des pièges. Khan, par ici. Oh ! Bonjour, messieurs. Encore une attaque. Ouais, ils ont percé les défenses extérieures. Tous les survivants sont ici. Je doute qu'on puisse voir le jour se lever. Dis pas ça. D'où viennent les monstres? Comme d'habitude, du tunnel à gauche et du carrefour. On a envoyé une équipe de démolition, mais les hommes sont jamais revenus. Il y a plus personne pour y aller. Artyom, tu veux vraiment sauver ta station de son destin, non? Ici, cette station fait déjà face à son destin. Il faut lui venir en aide. Retrouve les restes de l'équipe de démolition. Ils avaient une bombe avec eux. Traverse le tunnel de gauche le plus vite possible et cours, l'explosion sera massive. Quant au carrefour, on l'a déjà enterré une fois, mais on dirait que les Nosalis ont creusé à travers les décombres. Il y avait un sas pas loin, il doit être ouvert. Essaie de le verrouiller ou de le démolir. Je resterai ici avec les survivants. Bah et pourquoi? Essaie tu viens pas avec moi? Les monstres vers nous, ils sont trop nombreux. Ouais mais moi, bah ouais mais j'ai pas le choix de les attirer en fait, j'ai pas de munitions gros. Tu peux me prêter tes balles si déjà tu sers à rien toi? Non? Bah toi si tu restes avec eux donne-moi tes... Non? Non? Tu veux rien me donner? Bon bah je vais faire la page, j'ai compris. C'est parti. On est d'accord que là ça sert à rien. Si ça revient au même. Bon bah je vais y aller hein. Ah! Moi ça me fait peur en fait. Ah! Ah! Mais putain mais... Prévenez-moi quand vous tirez. Hein. Bah je peux rien faire. Pourquoi moi? Pourquoi moi? Pourquoi moi? Mais faites quelque chose les gars derrière vous. Les gars. Un peu de réactivité là s'il vous plaît. Ah. Voilà. Comme je vous ai appris les gars. Ah, petit coup de pied dans la gueule, bam bam, et c'est réglé, voilà. Ah, lui il a consommé des champis. Voilà, ça va les gars? T'as le Covid? Bon alors, qu'est-ce que je peux faire? Mais ça c'est des pièges, hein. Ah non, c'est pour alerter en gros, ouais d'accord. Ça vient sur moi. Ça vient totalement sur moi là. Mais en une balle, ils arrivent à les buter, hein. Ah! Mais arrête! Mais butez-le! Oh, vous êtes long à la détente. Vous avez... Vous croyez qu'ils ont compris que j'ai pas de munitions ou...
Mais je risque pas de progresser là. Tant que j'ai pas de munitions. Putain. Oh, donne-moi du truc dans ta poche là. T'as des. Je sais pas ce que c'est. Salut. Voilà, vous avez vu, il y a un gars là. Les gars, il y en a deux même. Hein. Et les gars, réveillez-vous. Regardez, va. Ah, le danger vient de là-bas, les gars. Hein. Allez, on se réveille. Voilà. Oh, j'ai envoyé une molotov sans faire exprès. Bon, je peux servir à quelque chose? En fait, j'ai pas le choix, il faut que je progresse là. Je ne peux pas. Cours! Les gars derrière moi! Mais qu'est-ce que tu vises là-haut, gros? Khan, il est vrai. En fait, Khan, c'est vraiment. Il est teubé. En tout cas, c'est un vrai plaisir de les regarder. Je serais moins flippé avec des champignons. Ah, il veut des champignons, lui. Bon! Démerdez-vous. Alors. Un petit feu. Oh. Bon, c'est bien, il court aussi vite que moi. Hein. Ah, il me follow pas en plus. Putain, et puis t'entends les bébés qui pleurent derrière, tu peux rien faire. Bon, j'ai l'impression que ce sera sans fin. Parce qu'il faut que j'avance et je ne peux pas avancer en fait. C'est débile. Et eux, ils ont des munitions à l'infini, gros. Allez, allez. Toujours plus, toujours plus. Ah, ah. À un moment donné, là, les gars. Ah. J'en peux plus, j'en peux plus. Il y avait des munes, là. Il y avait des munes. Pas énormément non plus. C'est déjà ça. On va pas aller loin non plus, en fait, donc c'est pas non plus incroyable. Mais ce sera déjà ça. Hein. Voilà, je vais pas gâcher mes munes. Hein. Débrouillez-vous, les gars, hein. Vous êtes quand même 4. Mais regarde pas, toi. Voilà. Allez, on y va. On y va. Ouais, bah c'est pas le meilleur plan. Hein. Allez, cours ta race. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse, les gars? Sincèrement. Vas-y. Passe par là, voir. Yes. Ah non, attendez. Ah merde. Bon, eux, ils ont pas l'air de m'attaquer. Alors si je continue. On va tenter un truc, les gars. C'est un survivant, lui? Je sais pas. Mais il y a des munes. Allez, je continue comme ça. Hein. Ce jeu me fait peur, les gars. Alors. Je pense que je rate beaucoup de choses. Alors, les gars. Ok, cette arme est bien. Cette arme est très très bien. Mais j'ai plus de munitions. Je continue par là?
J'ai comme l'impression qu'ils sont derrière moi. J'ai l'impression que mes collègues ils sont toujours en galère. Salut les gars, je viens avec vous hein. Moi non mais y'a pas des mines qui ont repop là. Ah c'est chiant les gars, c'est chiant, c'est chiant, c'est chiant. Et le nombre de coups que je me suis pris en vrai. Il a plus de mine lui. Y'en a un qui est à sec. Ah ouais c'est chaud maintenant. Ah. Vite 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 vite. Voilà dans ta gueule, dans ta gueule. Voilà par moi meilleur. Ça va être assez compliqué là les gars hein. Je sais pas comment on va faire pour progresser. Mais bon on va y arriver hein. En fait j'ai l'impression qu'il spawn à l'infini. C'est pas une impression. Il spawn à l'infini. C'est obligé. Ah j'ai 10 balles. Je peux pas gâcher 10 balles. Bah qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe bouffon là. Ah ouais non mais là il y en a 5. Allez les gars. Allez les gars. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu sais bien ce qui se passe. C'est bon? Non mais à aucun moment je pourrais progresser en fait. J'ai plus de mun, voilà, voilà, voilà. 3 balles. Voilà, j'ai officiellement plus de munitions les gars. C'est éclaté. Mais lâche-moi putain. Fous-moi la grappe. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Attendez, si je fais discret. Mais même discret, il s'en branle. Qu'est-ce qu'il fait lui? Il fait un moonwalk. Il fait un moonwalk. Vous croyez qu'il me voit? On n'a pas le choix, hein. Va falloir qu'on essaye l'infiltration. Hein. Voilà. Ah bah il m'attaque. Putain. J'en peux plus, y'a rien à faire. Y'a rien à faire les gars. Y'a rien à faire quand t'as plus de mun. Tu peux juste tout recommencer le jeu quoi. Ah ouais. Allez. Allez. Non mais regardez-moi cet amas de cadavres. Et en fait à chaque fois n'importe où tu vas ça respawn de la même façon. Regardez. Voilà, voilà. Voilà. Et toi tu veux faire quoi? Eh bah tu peux rien faire. C'est pénible. Pardon les gars, pardon, pardon. Je suis énervé. Putain. Et en plus il me reste plus qu'une grenade incendiaire. Non non remets ton masque. Remets ton masque idiot. Oh là là. Ouais ouais que, en fait ça sert à rien d'y aller en courant ou en mode infiltré. Parce que dans tous les cas. J'essaye hein. Bah lui il m'a vu lui. Lui il m'a vu, il est juste bugué. Il est bugué lui. Voilà tout. Adieu. Lui il est bugué. J'avance.
Non mais il me suit. Oh non mais j'aime pas ça, putain, j'aime pas ce bug. C'est donc ça la fin du jeu les gars. Je ne vois pas d'autre issue que de se suicider dans la vraie vie. Ça t'arrive, je ne cherche même pas à survivre. Sans déconner. Sans déconner, on en est là et je dois recommencer. Tu déconnes. Allez, c'est pas grave, regardez. On va tenter l'infiltration. Mais je pense que ça marche pas en fait, c'est juste bugué. Dans tous les cas, tu te fais attaquer en fait. Regardez, dès qu'il passe, je m'arrête, ok? Je suis accroupi. Hein. Voilà, hop, je suis caché, accroupi. Ouais bah voilà. Voilà en fait je peux rien faire en fait. Si t'as pas de munitions tu peux rien faire, c'est tout. Il t'attaque quand même hein. Oh mais foutez-moi la grappe. C'est pas possible. Allez 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 allez. On va... De toute façon on est déjà mort. Alors autant à la one again hein. À la one again hein. Ah. Mais qu'est-ce que je fous là? Putain mais j'en... Oh les gars, ça m'énerve. Ça m'énerve, c'était tout bien. Attends, reprends des munes. Faut qu'on aille à la one again. Bon, visiblement ça mène à rien là-bas. Allez, on y va, 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 on y va. Allez. On court, on court, on court, on prend des trucs là. On court, on court, on court, on s'accroche à la vie. Mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Moi je croyais que j'avais un flash et en fait... Mais c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe, bon Dieu? Non mais là, frérot. Allez, je réessaye encore une fois. Je pense que c'était pas le bon endroit qu'il fallait aller. C'est pas grave, il faut peut-être monter. Bah non, ça revient au même ici. Là je ne sais pas, ça revient au même j'imagine. Pourquoi on peut pas aller là? Pourquoi je ne peux pas aller là? Mais c'est débile, on dirait que je me brûle. Frère, le feu il est là. Hein. Oh, mais c'est pas vrai! Allez, remets-toi de tes émotions, gros. On peut pas aller là. Là, un bidon. Génial. Salut. Salut les gars. Salut les Rey. Ça gaze? Bien ou quoi? T'habites dans quoi ou quoi? Les gars, je reviens. J'ai besoin d'un tir de couverture. Putain, ils sont juste derrière. Les gars, que j'ai récupéré du coup. J'ai récupéré un truc mais je sais pas quoi. Bon. Bon par contre le bébé il va pas pleurer à l'infini non plus hein, soyons réalistes. Bon, on fait comment? Allez, à la one again hein. En même temps. Et je cours. Je m'accroche à la mort. J'ai pas le choix, je vais faire un truc les gars. Je vais faire un truc les gars. Foutez-moi la paix. Je me casse direct les gars. On va tenter, on va tenter. Je vois pas comment faire autrement. C'est un cul-de-sac hein, manifestement. Ah. 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 Mais évidemment ils peuvent rien faire les... Ah. 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 Je m'arrache hein. Ça va péter. Ça va péter. Et ça pète.
ça pète. Je reviens les gars, j'ai fait péter. Bon, une bonne chose de faite. Voilà les gars, j'ai fait péter. J'ai fait péter, je sais pas à quoi ça servait. Bon, ça c'est fait. Khan, derrière toi. Khan, c'est toujours derrière toi que ça se passe. Jamais là. Khan, derrière toi. Là, à mon avis, on va se faire envahir, ouais. C'est bon ? Bon, pourquoi ils voudraient pas venir avec moi, Khan ? Et pourquoi on part pas tous ensemble ? C'est bon, là, eux, ils sont à l'abri, là, les autres. Ouais, je vais y retourner, du coup. À la one again. Visiblement, ça marche bien. Visiblement, ça marche bien. Oh, putain. Tu m'as pas vu, tu m'as pas vu, tu m'as pas vu. Toi, tu m'as pas vu non plus. Bien sûr que tu m'as pas vu. Il est juste derrière moi, mais il m'a pas vu. Allez, on court. De toute façon, j'ai une balle dans mon chargeur, je peux rien faire avec la balle. Ça sert à rien que je le... Les gars, ça sert à rien que j'utilise. Très sincèrement, autant courir. Ok, je me fais suivre de très près, visiblement. Ah non, c'est moi qui ai fait péter ici. Alors, il se passe quoi? Allez. Bah alors? Bah alors? J'ai fait péter, ça servait à quoi? Bah alors? J'ai rien fait péter? Ça servait à rien? T'es sérieux gros? Fallait que je pète de l'autre côté? Mais non. Fallait que je pète de l'autre côté. Ça servait à rien ici. Arrête! Abuse pas! Abusons pas des bonnes choses! Oh non! Attends. Voilà, ça je prends. Hein. C'est pas des munitions, mais c'est pour le masque. Je me suis bloqué. Bon bah. Visiblement, faut aller là alors. Mais non, c'est un cul-de-sac aussi. Qu'est-ce que je dois faire, bordel de merde? Oh! Oh oui! Oh oui, régale-moi bébé. Ok. Alors par contre, il faut que j'échange une arme parce que... très, voilà. Cette arme est très très bonne. Hein. Qu'on le veuille ou non. Cette arme est excellente. Alors. Hop. Bon bah c'est pas là qu'il faut... Merde. Quel cassos. Là les gars, je vais vous dire, je comprends pas où je dois aller. Hein. Oh, je viens d'esquiver un piège. Alors, visiblement, on n'est plus emmerdé par les gars. Ça, les gars, ça me plaît pas trop. On n'est plus emmerdé. Alors, on va pouvoir faire un peu le plein en termes de munitions. On va peut-être monter par ici, je pense. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Bon. Il est en train de manger manifestement. Excusez-moi, je voulais pas vous déranger. Hein. D'accord, d'accord, d'accord. Il est pas mort? Attendez les gars, il est mort? Il est mort. Donc il faut 4 balles. Bon. Hop. Ça va où là? Ça revient ici. Bon, je suis content, on a quand même réussi à s'en sortir au bout d'un moment. Ça, faut que je fasse péter, c'était évident, mais il faut que je me barre. Allez, on fait tout péter. Oh putain. Je reviens. Hein. Ah, ils sont où tes potes? Une grande victoire pour une petite station. Je ne t'accompagnerai pas plus loin. On a besoin de moi ici. Les tunnels se sont effondrés. Si tu veux aller à police, tu devras faire un détour. Tu peux arriver à l'arsenal en partant d'ici. Et ensuite, tu devras traverser les stations des Rouges et des Fachos. On y va. Ah, tu restes avec moi quand même, Khan. Arsenal.
l'arsenal est une station indépendante. Tu ne devrais pas y rencontrer de problème. Mais avec les Rouges, c'est une autre histoire. Ils construisent une nouvelle société avec tous les bonus sympas d'un état policier. Par exemple, la délation de ses voisins. Quand tu seras à Arsenal, cherche une de mes connaissances, Andrei le forgeron. Dis-lui que tu viens de ma part, il t'aidera. Ok, donc tu vas me laisser tout seul et je vais enfin pouvoir partir, c'est ça? Eh ben salut Khan, au plaisir. À bientôt. Non, tu viens avec moi? Oh. Oula. Eh ben bonsoir. Un hôtel pour l'espoir. Même par les temps qui courent, impossible de se défaire des choses qui font de nous des humains. C'est beau. Alors moi ce que je vois le plus c'est des munitions. Merde. Éteins une bougie. T'es un homme bon toi. Ah. Merci Khan, t'es le sang de la veine. Merci mon frère. Voilà, monte à bord. Merci beaucoup. Merci pour ton aide. N'oublie pas que tout dépend de toi et de toi seul. J'espère qu'on se reverra. Au revoir Artyom. Bah j'aimerais bien qu'on se revoie ouais. Au revoir. S'il existait encore un dieu dans ce monde, ce jour-là il était avec moi. J'avais été sauvé par l'ami de Khan, Andrei le forgeron. Il allait être mon ticket de sortie de la station communiste. Allez. Waouh. Eh bien les amis, on va s'en arrêter là pour cet épisode, tranquillement. Ça aura fait un long épisode mine de rien. Hop. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce bleu et on se retrouve après demain pour le prochain épisode. C'était Mkolo, je vous fais plein de bisous. Ciao tout le monde.